3. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Donc c'est parti pour la chanson des Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Donc, voici les accords de la chanson G, D, F. Vous allez voir souvent faire le F de cette manière-ci, c'est-à-dire l'index premier doigt sur les deux premières cordes. Faites comme le F ici, mais au lieu de faire le barré, je vais faire le barré dans le fond avec mon premier doigt sur les deux premières cordes, puis mon pouce ici, même le pouce, vous n'êtes pas nécessairement obligé de pincer la sixième corde. Ou vous pouvez le faire en barré. Ensuite, on retourne sur le G, le C, F, C. Et on va voir le D sus 4, donc le D avec le petit doigt ici. Le D sus 2, on enlève le deuxième doigt. Donc, parfait. Donc, je vais y aller lentement avec les paroles. Donc, maintenant, je vais vous montrer le strumming. Down, down, up, down, up. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Moi, des fois, je fais le G ici comme ça, là. Ok, maintenant le riff sur le D. Donc, on va venir pincer la quatrième corde. Après, ensuite, on prend le deuxième doigt, on vient pincer la cinquième corde, troisième case. Ensuite, la cinquième corde, deuxième case. Et ensuite, la cinquième corde à vide. Hey! Sur le G. On va venir faire commencer le refrain. Hey! You've got to hide your love away. Hey!
not to hide your love away. Donc, c'est pas mal ça pour la leçon. C'est très rapide. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à alexsamsoon@commercial.com. Puis, je fais aussi des sessions Skype ou Messenger, là, si vous avez des questions. Puis, aussi, vous pouvez avoir accès à mes partitions personnelles. J'en ai jusqu'à maintenant plus de 300. Puis, il y en a 500 que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez avoir accès, juste à me contacter. Puis, on regardera ça ensemble. Puis aussi, vous allez pouvoir voir les tables de l'harmonica que mon collègue joue durant la chanson. Donc, si vous voulez avoir les tables de l'harmonica, c'est dans la description du vidéo. Donc, on se voit pour une prochaine leçon. Bye bye!